Salut les amis, ici Joe Black pour une petite sortie samedi matin, samedi 21 mars donc. La dernière vidéo c'est derrière cette petite bosse là, où j'ai trouvé la monnaie en argent. Et je me dis cette fois je pars de ce côté ici. Et là je viens faire deux douilles juste là, à peu près pas loin l'une de l'autre. Et là, je pense que je viens de faire ma première monnaie. Je ne sais pas si on va la voir. Ouais, elle est juste là. On va aller regarder ensemble. Hein. Je l'ai juste sorti du trou. Là, voici. Ouf. Si ce n'est une, elle doit être HS, je crois. Ah non, ce n'est pas une. C'est plutôt un bouton. Ouais. C'est un bouton lisse. Bien fatigué. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Il est lisse. Il est assez fatigué. Le crochet, il est là. La tâche, je veux dire. Enfin, pas la tâche. Allez. Bon, je continue. Hein. À tout de suite. Donc, ça fait environ 45 minutes que je suis là. Et puis, toujours par là. Et puis, pas grand chose, beaucoup de chenilles. Et là, je pense que je viens de faire une monnaie. Juste là. On va aller regarder ensemble. À moins que ça soit une ou un bouton. Et non, c'est bien ça. C'est une petite 2 francs. Ouais, c'est bien ça. Une 2 francs. Ouais. Allez, je continue. Encore un petit peu ici, il y a encore un peu de neige. Et puis en plus, comme je m'en doutais, la pluie elle est encore en train de commencer gentiment. Alors, on va se dépêcher avant que je sois fin trompe. Allez, à tout de suite. Donc, après la 2 francs, il y a toujours un son. Je viens de le sortir. Il va être ici dans la motte. Voilà, juste là. On va aller regarder ensemble. Je pense que ça va être là. Dans ce morceau. Oui, elle est là. Alors, on va voir ensemble ce que c'est. Ah, c'est encore une petite pièce. Une petite monnaie. C'est bien ça, ils étaient ensemble alors. Oh, mais elle est hyper fine. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'un 10 centimes, mais très usé. Oh, ça m'énerve la pluie qui commence, portée. Pour une fois que j'avais le temps devant moi. Ouais, c'est une 10 centimes, mais bien usée. Je pense qu'elle est peut-être pas tombée au même moment. Allez, je continue avant que ça s'aggrave. À toutes. Donc, de retour, les 2 francs juste là. Et puis, environ 2 mètres après, dans un petit trou pas très profond, je pense que je viens de faire une centime suisse. Oui, c'est bien ça. Elle a l'air pas trop mauvaise. Oui, elle a l'air pas trop mauvaise encore. Allez, il pleuvait toujours un petit peu. Je continue. Allez, à tout de suite. Alors les amis, là c'est un centime juste là. Et ici un nouveau son. Et pas très profond parce qu'en fait j'ai enlevé les deux mottes. Puis elle était juste ici, dans ce petit tas ici. Et regardez ce qui est là. Hop là. Regardez ça. Je sais pas ce que c'est, mais elle a l'air quelque chose de bien. J'espère en tout cas que ça soit une monnaie. Allez, réveille-toi, Joe Black. Allez, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être pas une monnaie. Tout compte fait, c'est peut-être pas une monnaie. Je sais pas. Non, je crois pas que ça soit une monnaie. Mais je sais pas.
Je sais pas du tout ce que c'est. Allez, je vais mettre par terre, je vais juste vous dire le son, ce que ça donne. Ouais, tu voyez, c'est bizarre. En 37-43, je sais pas. J'ai créé vraiment une merdouille, puis je sais pas. Vraiment, je sais pas ce que c'est. Bon, les lettres, ils ont pas très anciennes. Mais je pense que ça va être une espèce de jeton. La hiarge, quelque chose comme ça, je sais pas. Allez, je continue, les amis. Et il commence à flotter plus. À toutes. Et me revoilà dans ce trou assez profond. Le pointeur, il va quasiment dedans. Donc, si on peut voir, ma main, elle va dedans. Et elle est là. Et on va voir ce que c'est ensemble. Et ça a l'air d'être une 50 centimes. Ouais, c'est ça, c'est une 50 centimes, mais bien usée. Allez, toujours un petit peu de neige. Hein. Comme mon ami, ou notre ami Denis l'a dit, il a tout à fait raison. Chez nous, enfin chez moi ici, le printemps, il vient très tard. Allez, on continue. À tout de suite. Donc, c'est nouveau moi. Et ici, un petit dé à coudre, bien coincé dans ces pierres-là. Et le voilà, légèrement écrasé. Bon, c'est pas du vieux, hein. Mais c'est toujours ça. Et je pense que, enfin, je sais plus à combien je suis. Ça serait mieux que je filme, hein, quand même, la pièce de... que ma main. Allez, les amis. Il me semble que ça sonne encore ici, mais je sais pas. On va aller voir. Et puis, si c'est le cas, ben, je rallume. Allez, à tout de suite. Mais voilà. Donc, après environ 1m50 de dé à coudre, ici, dans cette petite motte, ça sonne. On va aller voir. Ensemble. Qu'est-ce que... Alors. On va allumer le pinpoint. Donc elle est ici. Ça sent la merdouille. Hop, tu veux venir. Oui, c'est bien la merdouille. Allez, je continue. À toutes. Me revoilà les amis. Donc le dé à coudre, c'était vers l'arbre, juste après la neige. Puis en remontant au bord de la neige, donc j'ai retrouvé encore un 10 centimes très usé. Après j'ai revenu ici, mais là dans cette espèce de petit chemin, il y a trop de gravier, puis il n'y a rien du tout. Alors je fais un peu la pente ici, puis là j'ai sorti vers la petite motte, là j'ai sorti un truc en alu, une plaque, et puis là normalement je pense que ça va être une petite monnaie. Attendez, je vais prendre le pinpoint ici. Alors on va aller voir ensemble. Il me semble que je vois déjà un petit truc. Ouais, chouette. C'est une centime suisse qui n'a pas l'air pas trop moche. Il y a juste un petit peu de concrétion là. Elle a l'air bien, encore en bon état. 1911 ou 18 je crois. Allez, je continue, enfin je vais aller regarder un petit peu autour de ces arbres ici, toujours en pente bien sûr, pas le choix. Et puis après, ici il y a une espèce de petit chemin, et je vais aller voir, je vais faire ce petit chemin aussi jusque là-haut. J'aurais voulu passer là où j'ai trouvé la blanche, mais pour l'instant je suis en train toujours de m'éloigner, quoi. Je vais au gré des sensations. Allez, je continue, à tout de suite. Donc c'est un petit coin ici, vers ces arbres, qui est pas mal pollué.
Et mais là, je viens quand même de faire une petite monnaie. J'étais pas sûr, alors j'ai pas voulu faire la découverte ensemble. Bon, c'est nous un centime bien attaqué. Ben, on continue. Allez, à tout de suite. Les amis, j'ai fait le tour là. J'ai revenu par ici. Plus grande chose à se mettre sur la dent. Et puis là, un son très fort. J'ai cru, je sais pas quoi, mais très fort. Mais je suppose que c'est une blanche. Et là, il recommence à pleuvoir. On va aller regarder ensemble. Oui, c'est bien ça. C'est une petite monnaie blanche, 1921. C'est cool ça, c'est chouette. Super chouette, 1921, très bon état. Et il pleut, ça m'énerve. Bon, bah allez, je continue quand même encore un petit peu. Il est 10h moins 5, c'est pas possible ça. C'est dingue comme le temps il passe vite, c'est incroyable ça. Allez, je me dépêche parce que là, apparemment, ça vient, ça se... C'est plus en plus foncé. Allez, à toutes. Alors, comme un bon détectoriste, il dira toujours, avant de boucher, regarde, il y en a encore quelque chose. Eh ben oui, il y a encore quelque chose. C'est cool, ça. Et c'est une deuxième. 1908. Waouh. Ah, c'est génial, ça. Pas la même époque. Enfin, largement là, une bonne différence, 1924 et 1908. Mais une deuxième, ah c'est cool ça. Et puis continue à pleuvoir, mais là j'en ai rien à foutre. Désolé les amis. Allez, je vais encore regarder, et puis s'il y a quelque chose, ben, je vous remontre. Allez, à toutes.